Conférence démarre et l'on ne manquera pas de signaler que le chantier naval industriel du Cameroun a assisté à toutes les conférences, tout comme la société d'exploitation des parcs à bois du Cameroun. D'assurer une meilleure santé aux Camerounais, d'améliorer les infrastructures et d'impulser le développement. Ses copains, les oiseaux viennent aller chercher.
Cet après-midi, nous allons voir la qualité des infrastructures portuaires, les excellentes conditions de navigabilité. C'est-à-dire, nous allons beaucoup parler des infrastructures nautiques. Nous allons présenter ça avec, en collaboration avec Smith Lamnakor, qui s'occupe de services et remorquage et l'amanage. Et nous allons aussi donner l'eau. Près de deux semaines à un mois dans l'eau, même si ceux-ci sont recherchés, quoi, ils sont là, il y a tout dedans, il y a de la nourriture, des médicaments et tout pour qu'ils puissent au moins survivre pendant un mois. Donc nous avons également l'appareil. Et pour la deuxième fois, ça sera même plus sophistiqué que ceci. Donc, et aussi cette solution aussi va, pour ceux qui sont dans le domaine maritime, il y a la convention MAPOUL. Le MAPOUL, le Cameroun fait partie des signataires du MAPOUL. Donc, tout ça, c'est vraiment les efforts, les solutions pour diminuer la pollution de l'air. Donc, nous avons aussi tout un... Merci Daniel. Pour conclure, je vais passer la parole à M. Michael Mama, de l'exploitation. Bon, déjà, on vous remercie d'avoir été nombreux pour les différents apéros thématiques que nous avons mis en place au niveau du port de Clovis. On espère qu'on vous a donné suffisamment d'éléments de compréhension et je pense de conseils dans le cadre de d'autres secteurs d'activité et même dans le cadre de vos recherches d'emploi. On va essayer d'être généraux, hein, on est ouvert à toutes vos sollicitations. En plus de tout ce qui a été dit, je veux vraiment aussi vous encourager, comme l'a dit Steve, de ne pas avoir peur, comme l'a dit le joueur, de bien faire vos dossiers. Il a parlé d'un cas particulier dans ma structure, mais ce n'est pas le seul. Sur la dernière année qui est venue, mes derniers recrutements, c'est un jeune homme que je ne connaissais absolument pas de ma vie, qui travaillait pour une autre entreprise. On s'est connu dans le cadre professionnel, parce qu'il travaillait avec une entreprise que je voyais en face. Je l'ai trouvé très bon. Et un jour, c'est moi qui suis venu le chercher pour lui dire, ça te dit de venir travailler avec moi. Après avoir travaillé avec lui un an, je ne le connaissais pas. Actuellement, je suis en train de faire recruter trois stagiaires que je ne connaissais pas non plus. Et parmi ces stagiaires, il y a une stagiaire très particulière que j'ai connue dans un contexte particulier. Un jour, j'ai été envoyé en mission à Douala pour faire une conférence chez des étudiants. La jeune fille est venue me voir. Elle m'a dit, bon, je cherche un stage. Est-ce que vous prenez des stagiaires en ce moment? J'ai dit, oui. J'ai expliqué la procédure que monsieur m'a expliquée. Va déposer ton dossier, etc. Elle a bien monté son dossier, elle est venue chez moi. Elle est venue chez moi, je lui ai demandé, ok, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu vois un peu des 6 mois de stage chez nous? Elle m'a expliqué, j'ai dit, ok, je t'envoie en stage dans tel service. Elle m'a produit un rapport de stage. J'avais une problématique, notamment sur le trafic bois. Tout ce que je fais aujourd'hui sur ce trafic-là, ce sont ses recommandations. Elle a été très professionnelle. Et depuis donc, je la garde. Je n'aurais jamais rencontré cette jeune fille si je n'étais pas parti à Douala pour assister à une conférence. Et jamais si elle était venue me parler. Elle est venue me parler. À l'époque, j'étais chef de département. Je n'étais pas encore directeur. Maintenant, je suis monté. Elle est là, elle est avec moi. Et des cas comme ça, hier, il y avait M. Mengi qui a fait son apéro thématique. Son collaborateur direct, il est allé le chercher sur LinkedIn. Il a fait un appel à candidature externe sur LinkedIn. Il a eu plus de 200 CV. Il en a gardé 60, puis 30, puis 5. Puis il a dit, c'est lui que je veux prendre. Il ne le connaissait pas. Un jeune homme qui avait fini ses études, qui cherchait un emploi, qui vivait chez lui à l'ouest. Et il est arrivé comme ça à Québec. Et il travaille avec nous. Et on est extrêmement satisfait de ce gamin. Et des cas comme ça, il y en a des cinquantaines, des soixantaines au port de Montréal. Chez Smith Lamnakor, pareil. Chez KCT, pareil. Chez KMT, pareil. Chez TSA, pareil. C'est-à-dire que vraiment, je vous dis, il faut être courageux dans le monde de l'emploi. Ce sont les meilleurs qui trouvent, généralement. C'est ceux qui n'ont pas peur, c'est ceux qui pensent, c'est ceux qui sont dans le meilleur de eux. Et je dirais un dernier conseil.
N'oubliez pas que vous n'êtes pas simplement en concurrence avec ceux qui sont dans votre situation, vous êtes aussi en concurrence avec nous qui travaillons déjà. Parce que nous aussi, on continue d'essayer de nous passer. Hein. Je vous dis des choses, on n'est pas arrivé. Hein. On n'est pas arrivé. C'est-à-dire que même quand on est déjà à un certain niveau, on regarde quand même à côté notre entreprise qui est là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas de meilleures conditions? Est-ce que c'est pas plus intéressant? Et donc, votre CV, quand vous déposez votre CV, vous êtes en concurrence avec ceux qui travaillent aussi déjà. C'est pour ça que je dis qu'il faut encore fournir plus d'efforts. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Pour l'un d'entre vous, vous allez peut-être voir que d'ici 6 mois, on va se tamponner sur un poste, vous et moi. Et pourtant, je suis là où je suis. Et je vais vous dire que non, je ne te laisse pas. Moi aussi, ça m'intéresse. Et je vais bien charger mon dossier, hein, parce que ça m'intéresse aussi. Le monde de l'emploi, c'est pas on est assis sur un endroit, on est là pendant 10, 20, 30 ans. Non, c'est pas ça. À chaque fois, on essaye d'améliorer sa condition et de trouver quelque chose de plus intéressant et de plus passionnant pour continuer d'améliorer aussi notre CV. Mot de la fin, je pense que, et j'ai beaucoup apprécié ça de la part de beaucoup, parce que certains ont remarqué ma jeunesse en tant que directeur au Cameroun. Et je vais terminer sur ça. J'ai 34 ans. De mes 34 ans, j'ai déjà 15 ans de carrière et j'ai déjà fait 8 entreprises différentes. Donc croyez-moi que ce qu'on appelle le marché de l'emploi, bagarrer sur le marché de l'emploi pour avoir un poste, moi je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Et j'ai fait tout type de métier aussi comme style. J'ai eu la chance de dire aussi aux gens que j'avais été éboueur. C'est mon premier métier. J'étais éboueur. Ça c'était même derrière le luxe. J'étais éboueur, j'étais livreur de journaux, j'étais serveur, j'étais barman, j'étais technicien de surface, comme on dit poliment. Je nettoyais les toilettes. J'ai travaillé en cuisine. Oui, mais même. C'est pour dire en fait que, et toutes ces expériences-là, je les mets dans mon CV, hein, parce que j'estime que, et attendez, ça montre que je bosse. Ça montre que je bosse. On a la chance d'avoir un grand frère qui est DG aujourd'hui en face de nous. Regardez son parcours, mais il comprend la problématique des gens. Et il sait ce que c'est que le travail, travailler à la sueur de son front, la valeur de l'argent. Quand vous arrivez en stage, vous demandez, est-ce que le stage est payant? Sur la base de quoi? Est-ce que tu es capable de travailler pour 5 000? Il faut souvent se poser cette question-là. Vous êtes capable de travailler pour 5 000? Vous êtes capable de travailler pour 10 000? Vous savez ce que c'est? J'ai des gens qui arrivent et disent, je veux avoir un salaire de 200 000. Tu grattes d'abord la tête, tu regardes le petit frère, tu dis, ok, d'accord, merci. Je vais te donner les 200 000 même jour. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Travailler, c'est connaître la valeur de l'argent. Et savoir que déjà travailler pour 100 francs, c'est beaucoup d'efforts qu'il faut faire. Parce que dans la vie quotidienne, même quand vous dépensez l'argent, il faut savoir comment il faut transpirer pour avoir l'argent que vous dépensez. Donc beaucoup de courage à vous tous. Merci d'être venus. Nous sommes ouverts à toutes vos questions en off, etc. Et on espère vous revoir tous à certains niveaux, dans le cadre professionnel, à la télé, en lisant les journaux, parce que peut-être certains d'eux seront journalistes, je ne sais pas, etc., etc. Vraiment beaucoup de courage et merci encore. Merci. Donc ici aussi, à partir de cette infrastructure, on peut aussi faire le broadcast, c'est-à-dire si peut-être il y a peut-être une pluie forte, on peut dire aux navires que bon, fais attention pour toutes les navires qui sont dans la zone, il y a la pluie forte, la météo ne sera pas bonne. Et tout ça, donc, utilise ça comme une source de pour le broadcast, comme on dit en anglais. Donc, cet après-midi, nous allons voir la qualité des infrastructures portuaires, les excellentes conditions de navigabilité. C'est-à-dire, nous allons beaucoup parler des infrastructures nautiques. Nous allons présenter ça en collaboration avec Smith Lamnaco, qui s'occupe de services et remorquage et l'amanage. Et nous allons aussi donner le... Et pour la deuxième fois, ça sera même plus sophistiqué que ceci. Donc, et aussi, cette solution aussi va... Pour ceux qui sont dans le domaine maritime, il y a la convention MAPOUL. Le MAPOUL, le Cameroun fait partie des signataires du MAPOUL. Donc, tout ça, c'est vraiment les efforts, les solutions pour diminuer la pollution de l'air. Donc,
Donc, nous avons aussi tout un... Dragué, donc c'est Eji Dragué, le port de Douala. Et donc, Asimite, Boscalis, donc, contient beaucoup d'autres compagnies, entre autres, Simit Lamnalco, Antidraga, Simit Salvage. Et nous, donc, Simit Lamnalco, au Cameroun, nous travaillons sur trois projets. Et ces trois projets sont basés à Kribi. Nous travaillons sur le projet de Côte-Co, qui est le projet de Kekewan. Côte-Co, c'est un FSO qui est un stockeur et un déchargeur en même temps. Et nous servons de remorqueurs là-bas. Nous avons deux remorqueurs et ces deux remorqueurs-là servent à faire accoster les tankers qui viennent de l'Europe et autres là pour venir prendre le pétrole tchadien qui est géré par Côte-Co. Près de deux semaines à un mois dans l'eau, même s'ils sont recherchés, quoi, ils sont là, il y a tout dedans, il y a de la nourriture, des médicaments et tout pour qu'ils puissent au moins survivre pendant un mois. Donc nous avons également l'appareil. Pour la question qui concerne les atouts comparatifs que présente la place portuaire de Kribi, on dit nous sommes là pour vous satisfaire. Donc en dehors de M. le directeur général adjoint de Smith Lanarco et de l'officier de port, nous pourrons faire intervenir également le directeur d'exploitation du port autonome de Kribi pour plus ample information. Je vous passe la parole. Et je voudrais également vous rappeler, nous le dirons, ils vous l'ont dit déjà, que vendredi à 12h30, nous avons un apéro thématique spécifique sur les ressources humaines, donc les opportunités d'emploi, avec un accent sur les métiers portuaires. Donc je vous invite à être ici très nombreux. Invitez vos parents, vos amis à être là à cet atelier. Vendredi 12h30, retenez bien la date. Merci. Oui, merci pour vos questions. C'était très très important. Et je vais commencer par la dernière question qui est qu'est-ce qui est la plus pratique, qu'est-ce que le port de Kribi peut apporter comme, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut comment on dit en anglais, distinguer le port de Kribi de peut-être d'autres ports, pas seulement loin. Bon, le port de Kribi complémente le port de Douala, parce que le gouvernement ne peut pas faire la compétition entre lui-même, à lui-même, comme on dit. Ça n'a pas de sens. Donc c'est quelque chose qui apporte beaucoup pour le pays. Vous voyez que Douala, c'est un port rivière, mais ça a beaucoup servi le pays. Mais ça a une restriction de profondeur, comme vous voyez, et tout ça joue dans le coup. Ça, c'est Kribi, ça a l'accès direct à la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? La profondeur pour les navires qui viennent. Pour les navires qui viennent, quand d'abord, le temps qui passe au port de Kribi est très court. Parce que, je prends un exemple, pour accoster à Douala, peut-être ça va prendre 5 heures du temps. À Kribi, avec nos indicateurs de performance, accostage maximum, c'est 1h30 minutes. Ça, c'est 1h30 minutes dans les mauvaises visibilités. Hein. Sinon, c'est 1h du temps. Et appareillage, c'est-à-dire quand un navire passe, c'est 30 minutes, parfois 20 minutes. Donc, ça, c'est nos indicateurs de temps et qui jouent dans le coup. Parce que pour celui qui fait 5 minutes, qui va payer 5 heures du temps, qui va payer tous ses frais, le pilotage coûte cher. Ça peut faire beaucoup de millions, peut-être 15 millions, 20 millions, on ne sait pas. Ça coûte très cher pour les amateurs. Donc, mais tout ça, c'est le consommateur final qui paye. C'est-à-dire, toi, quand tu dois décharger ton conteneur et venir à Yaoundé ou en Saint-Malimavé. Donc, ça fait que Kribi, d'abord, le coût est très moins cher parce que tous ces coûts sont transférés au consommateur final. Donc, voilà alors l'une des choses. Et aussi, quand vous voyez la distance entre la mer et le port, ici, Kribi n'a pas une distance entre eux parce que le port est dans la mer. Donc, tu arrives à la zone de mouillage, tu sais que voilà le port juste à côté. Donc, même pour arriver là où il y a le centre d'embarquement des pilotes, c'est 30 minutes. Mais pourtant, à Douala, ça peut faire peut-être 2 heures du temps. Donc, tout ça entre dans le coup. Nous ne pouvons pas faire la compétition entre nous-mêmes parce que c'est le gouvernement. Mais on fait une complémentarité. Donc, les navires qui viennent à Kribi permet maintenant que nous recevons les très grands navires. Le plus grand navire conteneur dans le monde à 400 mètres.
Chaque mois, nous recevons les navires qui ont 336 mètres, 335 mètres à cuber. C'est-à-dire, ceux qui font mathématiques, vous voyez que nous sommes à 90, presque 90% du sommet. Donc, et si, jusqu'à si on reçoit les 335 mètres, qui sont très rares, hein, c'est-à-dire, c'est pas n'importe quel navire de 335 mètres qui va venir accoster dans un port africain. Mais on reçoit deux par mois. Donc vous voyez que c'est quelque chose, ce même navire ne peut pas aller à Douala. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça va augmenter, pas seulement le trafic des crédits, mais aussi Douala. Parce que maintenant, cette petit navire qu'on appelle le Coastal Vessel, ce transbordement, quand les grands navires qui font les lignes, ils quittent l'Asie directement, ils viennent déposer à Kribi, ça peut aller maintenant à Douala. Mais la différence, c'est que pour Kribi, le coût est cher. Mais quand ces navires vont porter pour amener à Douala, vous voyez, comme c'est un petit navire, ça ne va pas trop parce que ce n'est pas un navire qui fait la ligne. Ils font seulement comme le clando. Donc, ils prennent ici, déposent là-bas. On appelle le coastal vessel. C'est un peu comme le spoke, le hub and spoke. Donc, c'est quand même quelque chose de très pertinent que nous avons une profondeur de 16 mètres. Pourtant, si vous voyez, les doigts là, c'est peut-être de 8 mètres. Donc, si je vous ai répondu, ça va, ok, merci. Bonjour, je vais essayer d'apporter des éléments supplémentaires hein, par rapport aux questions sur le recrutement et autres. Bon, pour le recrutement au niveau du port de Kribi, déjà sur tout ce qui est stage académie, stage de vacances, j'ai entendu cette question. Il faut simplement faire la demande via un service central des courriers au niveau du siège du port autonome de Kribi. Il faut simplement déposer des demandes de stage, de vacances, stage académique. Il n'y a pas de période prédéfinie, ça dépend des besoins, mais généralement la direction générale est ouverte pour le partage d'expérience et le partage de compétences. Parce que c'est comme ça aussi nous participons à la formation des jeunes. Ça, ce qui est important. Pour tout ce qui est recrutement, on l'a déjà dit, il y aura une grande séance vendredi sur les métiers et les opportunités. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se rapprocher notamment des délégations départementales du ministère de l'Emploi. Parce que quand il y a des appels à candidature, des appels au recrutement, c'est par ce biais-là que le port autonome de Kribi s'exprime. Pour pouvoir le dire. Il faut aussi savoir que il n'y a pas que le port autonome de Kribi qui emploie. Hein. Il y a toutes les entreprises qui sont autour. Il y a Smith-Lam Nalco, il y a les concessionnaires, des terminaux, conteneurs, polyvalents. Il y a les autres entreprises d'industrie qui s'implantent tout autour de Kribi. Donc Kribi est en train d'essayer de développer un certain axe. Il y aura pour des emplois qui vont être gérés. Lydia essaie déjà d'expliquer aussi les avantages comparatifs du port qui sont importants. Il y a dans l'aspect infrastructurelle telle qu'elle a évoqué. Il y a l'aspect tarifaire aussi qui est très important parce qu'il faut savoir que sur l'ensemble des prestations, le port de Kribi est en moyenne 20% moins cher que le port de Douala. Ça, c'est déjà un point qui est très important de prendre en compte. Le deuxième point qui est aussi très important sur lequel elle a voulu insister, c'est les performances portuaires. Ce qu'il faut savoir, pour qu'un navire entre au port de Douala, c'est entre 20 et 30 jours d'attente en zone de mouillage. Au niveau du port de Kribi, en zone de mouillage, c'est à peine 24 heures d'attente et les navires passent seulement 24 heures à quai. Donc les plus grands navires, tels qu'elle a exprimé, de 335 mètres, maximum, ils mettent 24 heures sur nos quais. Tandis que actuellement, si on fait la comparaison par rapport au port de Douala, bah, ils peuvent mettre 2, 3, 4 jours pour faire leurs opérations parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes équipements que nous, ils ne vont pas sur les mêmes cadences. En termes de cadence, nous l'avons imprimé dans nos chiffres clés lors de premier apéro thématique. Nous faisons par portique et par heure entre 25 et 28 mouvements par heure. Donc nous dépassons les 50 conteneurs manutentionnés par heure et par portique. C'est les mêmes performances que les plus grands ports du monde, notamment en Asie du Sud-Est. Donc là, nous sommes fiers de ça parce qu'au niveau technique, nous sommes parmi les meilleurs du monde. C'est ce qu'il faut savoir. Et un véhicule de transport qui vient récupérer sa marchandise au port de Kribi, entre le moment où il arrive devant le port, qui prennent sa marchandise et qui ressortent, ils ne mettent pas plus de 15 minutes. Donc ça, c'est des informations qui sont très importantes à savoir, qui montrent vraiment l'aspect compétitivité du port par rapport au port historique qui existe. Surtout que nous n'avons pas trop de problématiques autour de notre port, tout est dématérialisé, donc les interactions humaines sont limitées un maximum. Donc vraiment, ça c'est pour la clarification, mais toutes ces informations, vous pourrez les avoir au cours de l'ensemble de nos opérations thématiques, apéro thématiques que nous allons faire cette semaine pour bien comprendre la dissociation des métiers et tout ce qui se fait et tout ce que nous faisons au niveau du port de Kribi. Je vous remercie. Draguer, donc c'est aussi draguer le port de Douala. Et donc, à Smith, à Boskalis, donc on tient beaucoup d'autres sous-compagnies, entre autres Smith Lamnalco, Anti-Draga, Smith Salvage,
Et nous, donc, Simit Lamnalco au Cameroun, nous travaillons sur trois projets. Et ces trois projets sont basés à Kribi. Nous travaillons sur le projet de Côte-Co, qui est le projet de Tekewan. Côte-Co, c'est un FSO qui est un stockeur et un déchargeur en même temps. Et nous servons de remorqueur là-bas. Nous avons deux remorqueurs. Et ces deux remorqueurs-là servent à faire accoster les tankers qui viennent de l'Europe et autres là pour venir prendre le pétrole tchadien qui est géré par Côte-Côte.